vous allez bien? Bienvenue dans un nouveau vlog. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Yeah, yeah, yeah. Vous aurez vu, mon chum m'a laissé un petit présent sur le comptoir. Je n'ai pas encore ouvert la carte. Je vais le faire à l'instant. Mais j'ai une petite réunion dans 10 minutes. Donc, je voulais juste vous faire un petit coucou. Je vous retrouve un peu plus tard. Bye. Hello. On se retrouve bien plus tard. J'ai oublié de vous revenir. En fait, ça a été une journée un peu folle. J'étais un peu occupée et puis j'ai reçu beaucoup de messages et tout. Fait que disons que j'ai pas vraiment pris le temps de prendre la caméra, mais c'était vraiment une belle journée. J'ai été inondée de messages, inondée d'amour, d'appels. C'était vraiment, vraiment agréable. Qu'est-ce qui se passe, madame? Qu'est-ce qui se passe là, madame? Faut y aller là. Faut y aller, madame. Faut y aller, madame. Almost there. I'm almost there. Ok, je passe pas comme ça. Donc, je disais, je me rends à la SAQ acheter une petite bouteille de champagne. Parce que moi, un anniversaire sans bulle, ce n'est pas un anniversaire. Et puis, je vais essayer de vous revenir un petit peu plus tard, mais je voudrais vraiment profiter de ma soirée. Donc, si ce n'est pas plus tard, ce sera demain. Oh là là, les amis, j'ai le cœur happy. Je ne sais pas si vous connaissez les muscats sucrés, mais ça, c'est ma bouteille préférée. Moscato, Bottega, avec la pétale rose, là. Je suis sûre que vous devez connaître. Il n'y en avait pas souvent à mon SAQ, puis là j'en ai trouvé plusieurs bouteilles, je suis bien contente. J'en ai pris une seulement parce que j'ai voulu être raisonnable ce soir, mais je suis contente. Ça c'est mon préféré, mais sinon, j'ai trouvé une belle bouteille de champagne, j'ai pris Tétinger. Et que ça va être une belle soirée, même si on travaille demain, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai 35 ans. Oui, 35 ans. Is all you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Been walking down the street so many times, my feet know every brick and stone. Could wear a blindfold. No matter what I do, I'm coming home to you. And I don't know why, don't know why, don't know why I'm always feeling homesick. Je retombe en enfance, Thomas. Ouais, la balançoire. Maman, elle aime ça se balancer, hein. Ça va? Clio? Clio? Oui! Je suis tellement une mauvaise vlogueuse. Je m'excuse le bruit de la voiture, là, mais c'est le seul moment vraiment où je peux vous parler avec les mains libres. Donc oui, je suis une mauvaise vlogueuse, les amis, très mauvaise vlogueuse. Je crois que la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était mon anniversaire. Et nous sommes 4 jours plus tard. C'est, ouais, je m'apprête, je vais au village des valeurs faire un petit tour. J'avais besoin de sortir de la maison, je commençais un petit peu à broyer un peu de noir. Et on a eu une semaine haute en émotions. J'ai passé une super belle journée d'anniversaire. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des petits messages. Je m'excuse encore pour la voiture. J'ai passé une super belle journée. J'ai été gâtée, j'ai été inondée d'amour. J'ai vraiment là, ça m'a touchée. Mon chum m'a fait un super bon souper. Vous avez très certainement vu la tasse qu'il m'a offerte, qu'il a trouvée chez un petit antiquaire pas très loin de chez nous. Et c'est ça, il m'a offert également une carte cadeau pour Winners. Madame va aller faire du shopping bientôt. Et c'est ça, un foulard aussi pour l'hiver. Et il m'a fait un super beau souper. On a bu du champagne. Bref, c'était une très belle soirée. Et puis, mon petit coco, vous savez déjà, il tousse depuis quelques temps. On ne savait pas trop pourquoi. C'est comme ça, ça ne s'améliorait pas malgré le sirop, le massage, avec le petit baume qu'on lui met, on lui fait le nez. Ça ne fonctionnait pas. Et mercredi, il s'est levé avec... il n'était vraiment pas de bonne humeur.
Fait que là, on était comme, OK, qu'est-ce qu'on fait? Fait que finalement, j'ai vu que je voulais lui faire voir un médecin. Je me suis dit, je vais le faire tester d'abord pour la COVID. On va éliminer ça. Je me doutais bien que c'était pas ça, mais c'était pas la COVID, mais il fallait quand même tester. Et puis ensuite, après le résultat, je me suis dit, je vais aller le faire voir par un médecin. Et finalement, on n'a pas réussi à trouver de son rendez-vous parce que son médecin, il pouvait juste le voir à la fin du mois. C'était trop loin. Finalement, on a trouvé une place comme dans un centre, mais c'est des infirmières. Elles ont la possibilité aussi de prescrire certains médicaments. Donc, mon petit coco a deux otites. On est vraiment passé à côté de ça, on s'en doutait pas du tout, j'ai pas pensé à ça, il m'a pas mentionné qu'il avait mal aux oreilles, rien. Donc on n'avait pas du tout pensé aux otites et puis finalement c'est ça, c'est deux otites, fait que là il est sous antibiotiques, au moins on sait ce qu'il a, donc ça nous rassure. Mais disons que la semaine a été un peu mouvementée, donc je l'ai gardé avec moi tout le reste de la semaine. J'ai été capable de travailler un peu mercredi avant le test et après. Jeudi, ça a été vraiment difficile, il ne voulait pas me lâcher, il voulait tout le temps que se coller à nous, qu'on porte, et c'était vraiment difficile et finalement j'ai pris la journée et vendredi, ben là j'ai dit comme il faut vraiment que j'aille travailler, que j'ai des choses à faire, donc c'est mon chum qui a comme plus, je me suis enfuie, j'ai allé directement dans le sous-sol, j'ai commencé super tôt, 7h30. Vendredi, j'ai terminé tôt, je voulais profiter pour avancer. Souvent, quand vous commencez tôt, c'est bien parce qu'il n'y a personne qui est arrivé. Fait que tu peux clencher plein de choses. J'en ai profité. Et voilà, là aujourd'hui, on est le samedi, on est le 9 octobre. Alors aujourd'hui, ça fait un an que mon papa est décédé. J'appréhendais beaucoup cette semaine. Je me demandais comment... Comment est-ce que j'allais le prendre? Comment est-ce que j'allais gérer toutes les émotions? Puis finalement, c'est pas trop pire. Je m'en sors plutôt bien. J'ai allumé une petite bougie pour lui ce matin. Il est dans nos pensées. J'ai reçu des petits messages également de mon oncle. Ma belle-maman m'a écrit également. Mais ça va bien. J'appréhendais la semaine parce que j'aime beaucoup mon anniversaire et je me disais un peu égoïstement, est-ce que ça va changer un peu avec les années? Est-ce que je vais détester ma fête parce que c'est très proche de son décès? Mais non, j'ai vraiment été inondée d'amour. J'ai quasiment pas oublié. Je peux vraiment pas oublier, mais disons que c'est un point positif dans une semaine lourde en émotions. Donc voilà, ça fait un an aujourd'hui, ça va tellement vite, mais c'est ça, il est dans nos pensées. Ça va quand même bien, c'est sûr que là je suis sortie de la maison parce que Thomas est allé se coucher, ça commençait à être un peu plus calme, puis là je me suis dit, oh, est-ce que j'ai envie d'aller me coucher? Non, je vais aller faire des petites courses là, je vais partir à la recherche de tasses, on va voir. Là je suis vraiment sur un truc là, là les tasses là c'est... Là, je suis dedans. Là. Je regarde tous les jours sur Facebook Marketplace. J'ai une amie aussi qui m'a proposé aussi de me vendre des tasses qui appartenaient à sa grand-mère. Donc, quand on va pouvoir se voir, là, je vais aller récupérer ça. C'est des super belles tasses. Ah ouais, non, ça y est, là, c'est mon nouveau trip. Les tasses de AT vintage. Je m'excuse pour le vlog qui est un peu du blabla et un peu n'importe quoi, un peu n'importe comment, à n'importe quelle journée. Il n'y a pas vraiment de suite et de logique, mais c'est pas bien grave. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je vais conclure ici en fait, moi. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. On se dit à très très bientôt pour un nouveau vlog. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Ça me fait toujours plaisir de voir, de lire vos messages. Je vous dis à très très bientôt. D'ici là, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Allez, on se dit bye bye.